le seau, le sol, les barres et la poutre. Et justement, vous parliez du saut, nous allons retrouver Andreea Raducan, une autre Roumaine, pour ce concours du saut. Voilà, un beau saut par demi-tour dans le premier envol et demi-tour dans le deuxième envol. Nous allons revoir sur le ralenti cette longue course d'élan de 25 mètres. L'impulsion sur un tremplin élastique. Et elle fait demi-tour, face, elle se retrouve de dos face au cheval, un demi-tour dans le premier envol, un salto avant carpé avec demi-tour dans le deuxième envol. Voilà le saut décomposé. Elle était troisième au dernier championnat d'Europe, mais en sol. Une équipe roumaine toujours aussi forte. Et je peux vous dire, nous avons assisté hier au concours par équipe des juniors. Elles sont celles qui vont venir tout aussi fortes. Elles sont formidables. Et c'est vrai que la transition entre le secteur junior et le secteur senior est immédiate chez les jeunes filles, car à 15 ans, elles ont acquis leur niveau technique quasiment optimum. Et il est difficile de faire la différence. 9,41, 9,412 pour le premier saut, une note pas extraordinairement forte. Hein. Non, avec une note de départ pour ce saut de 9,90, donc un petit dixième de moins que la note maximum. Voilà un saut différent, et il doit l'être, par renversement avant avec demi-tour, nous sommes écarté demi-tour. Alors il faut préciser que les gymnastes ont deux sauts, que ces deux sauts doivent être différents et que c'est la moyenne des deux sauts qui est effectuée pour prendre en compte le total et le classement de l'athlète. Donc c'est important car il est toujours difficile d'avoir à son registre deux sauts différents, c'est pas évident. Et l'impulsion vers l'avant sur le cheval, le buste remonte très rapidement sur les jambes tendues carpées. Alors pour votre information, le cheval est à 1,25 m du sol.